Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto Planet Zoo, un tuto construction où on va voir un petit peu plus en détail ce que l'on a fait dans l'enclos des macaques. Macaques japonais qui ont une petite maison avec une allée, des visiteurs, un petit pont. Donc on peut voir un petit peu plus en détail, donc sans la time-lapse accélérer, comment positionner les éléments, comment les dupliquer pour aller plus vite. Et du coup, réussir à faire un bâtiment assez détaillé. Là, j'ai posé un petit peu les éléments principaux qui caractérisent la maison que j'ai faite. Juste histoire de voir les éléments séparément, comme ça, en détail. Donc, on a un petit peu la collection des bois rouges. La majorité sont recolorables, on peut changer la couleur ici. Quand on sélectionne un élément, on a la petite fenêtre là et la couleur ici. Donc juste quand vous modifiez plusieurs objets, vous voulez avoir la même couleur pour chacun et que c'est une couleur par exemple personnalisée, donc pas parmi la palette qui est présente là, mais dans le deuxième onglet ici, on pourrait vouloir cette couleur-ci. Donc s'il y a un code hexadécimal, si vous avez déjà manipulé des logiciels d'édition d'images, c'est le genre de code qu'on obtient en RVB. Donc ce code, on va le sélectionner, le copier, CTRL C. Et ensuite, on va aller dans un autre, je vais pas le faire. On va aller là, on va le coller, CTRL V. Mais on va pas cliquer sur appliquer parce que ça marche pas, il faut d'abord faire entrer. Et là, on voit que la sélection a changé, l'outil a changé d'icône. Vous voyez, là c'était texte, quand je fais entrer, ça redevient la souris, le curseur classique. Là, je vais pas le faire. Je vais remettre le rouge que j'avais. Là, j'ai pas besoin parce que j'étais pas en sélection de texte. D'appuyer sur Entrée, je fais juste appliquer. Alors, notre bâtiment, on avait pris en mode construction des murs en pierre sèche. Je vais taper pierre sèche. Alors, il faut les accents, hein. Les accents sont nécessaires, sinon ils y trouvent pas. Donc pierre sèche, c'est tout ça. J'avais pris des murs qui sont sur la grille, donc c'est le symbole ici présent là, espèce de dièse. Des murs arrondis d'un côté. Non, je vais pas faire ça, je vais juste le tourner un coup avec W. On voit qu'il y a un curvé d'un côté et pas de l'autre. Là, ma grille correspond. Hop, je vais aller à l'entrée. À la position de l'entrée du parc, je peux la tourner avec W. Si je le souhaite, je peux aligner sur un angle. Donc je vais annuler, je vais retourner là, hop. Je vais mettre 90 par exemple. Ah, je peux pas, je peux faire 45, mais c'est bon. 45, c'est la moitié de 90, donc ça va fonctionner. Voilà. Donc là, je suis sur un angle, la diagonale de notre monde. Et on voit que c'est bon, hein, ça peut tourner à 90, à 45. Donc le principe, c'est de rester sur la grille du monde pour être au plus simple possible, pour ensuite modifier les petits objets. Je vais m'expliquer dans un instant parce que c'est pas clair, bien entendu. Donc notre maison, on va mettre un premier mur. Là, je vais retourner le mur, je vais le mettre en face. Et ici, je vais en mettre d'autres. Il faudrait que j'ai trois cases. Comme ça. Pour en mettre un au centre ici. Il faut trois à chaque fois. Alors, vous voyez, là, quand je pose, à chaque fois, je tourne avec W. Quand je pose un mur, je peux choisir de le mettre sur le trait, c'est-à-dire au milieu du mur. Enfin, d'un côté du trait, en fait. Comme là, on voit la séparation. Hop, j'arrive à mettre la souris. Ici, c'est le milieu de mon mur. Parce que on a un mur allongé et incurvé d'un côté. Si c'était un mur normal, il n'y aurait pas cette partie supplémentaire arrondie. Donc, soit mon mur est d'un côté ou de l'autre du trait. Ça peut être intéressant dans certaines constructions. Je vais juste déplacer celui-là. Je clique dessus et je prends virgule pour le mettre sur la partie interne de la grille. Ok, c'est bon. Si c'est pas clair tout ça, n'hésitez pas à commenter, me poser des questions, il n'y a pas de problème. Donc là, c'est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un toit.
Là, on a des éléments de toit qui sont posés au sol. Je vais enlever le filtre. On a des éléments de toit ici qui sont liés à la grille, et ceux qui sont posés au sol là ne sont pas liés à la grille. Ce sont des ornements, on va dire, hein, des ornements de toit. Je vais mettre le thème Asie pour n'avoir que ces toits-là, puisque là actuellement c'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà. Donc ça, corniche de contour de tour en tuiles de terre cuite. Ça, c'est pas lié à la grille, on n'a pas le symbole de grille. Par contre, vous voyez à côté, c'est lié à la grille, tous les autres. Ce que ça veut dire, c'est que cela, on peut les positionner librement. Ce qui est un avantage, mais parfois un inconvénient. On va le voir. Là, je vais prendre les... Donc, pas ceux-là, mais ceux-là, je vais les utiliser. Je vais prendre ceux-là, il me semble. Et je vais aller dans le coin qui m'intéresse, entre mes deux murs, et je vais appuyer sur Shift, Maj donc, du clavier, et monter mon toit. Avec juste un déplacement de la souris en gardant Maj appuyé. On peut changer la hauteur de la grille et la largeur d'ailleurs ici. Donc soit c'est 2, soit c'est 4 mètres. Ici c'est un petit peu différent. On peut passer de 1 en 1. Non, on peut pas passer à 3. Par contre, on peut être à 2 ou à 1 mètre ou à 0 mètre. 0 c'est totalement libre. Quand je mets. Je vais désectionner pour pas avoir de bug après. Donc là, je fais W pour tourner. Vous voyez, ça fait de 1 en 1. Mais là, je vais laisser 4 parce que c'est ce que je vais utiliser, hein. Le 4 mètres, c'est la hauteur du mur. Ok, donc j'ai cliqué pour positionner. Je vais aller dans les autres angles, je vais faire pareil. Là, si je vois pas bien, j'hésite pas à bouger ma caméra. À chaque fois, W pour tourner. Donc mes angles sont faits. C'est un bâtiment très simple et carré. Il me faut maintenant les espaces ici qui sont vides. Alors il y a deux possibilités, hein. J'ai fait un test et par hasard, hop, trop haut, j'ai vu ça. Donc je peux le poser là, je vais laisser au même endroit, je vais juste tourner. Et vous voyez que ça me fait un super angle, c'est joli. Tiens, je vais le laisser. Donc ça, je l'ai fait pendant mes tests de construction. Donc là, l'avantage, c'est que c'est joli de l'extérieur. Par contre, à l'intérieur, c'est bof, parce qu'on voit ça. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un toit plat. Ici, toit est plat et sol. On peut mettre un toit plat pour masquer cet espace un peu vilain. Je le monte pour l'exemple. Hop, je le mets au même niveau. Je clique. Je vais tourner pour vous montrer. Vous voyez? C'est pas mal, hein? Ça permet de cacher ce qui est vilain. Et on peut les mettre là et là aussi. Et au centre, on aura notre ouverture. Ok, donc bah, on va partir là-dessus. Ici, je vais mettre autre chose. Donc, je vais retourner dans mes toits normaux. Je vais prendre un des deux, un de ceux-là. Je pense que c'est celui-là le plus bas. Ouais, c'est ça. Donc, on a celui-ci, mais on a aussi celui-là. Et celui-là, il est beaucoup plus haut. Pour celui-ci, il faut utiliser les autres hauteurs de toit, les pentes 2 mètres. C'est écrit 2 mètres. Donc à chaque fois qu'il est écrit 2 mètres, là c'est 1 mètre, 2 mètres, ça y est, ça correspond à celui-ci. Il faut les utiliser par paire. Donc là, je vais faire le même ici. Je vais dupliquer celui-là au lieu d'aller le chercher dans le menu. Voilà, c'est bon. Pour ce qui est des rebords, on pourrait laisser comme ça, c'est très bien. Mais on a des rebords. Je vais mettre tous pour pas avoir trop de filtres. On a des rebords avec des petites corniches au bout qui correspondent parfaitement. Hop. Voilà, c'est bon. Je suis repassé à 0 mètre ici. Non, je veux pas. Hop, il m'en reste un. On tourne, on monte et on clique. C'est bon. Donc ces petits bouts de corniche, il faut remplir les trous. C'est celui-ci. Voilà, c'est comme un puzzle, hein. Il faut avoir un peu d'imagination quand on veut faire des bâtiments un peu plus sophistiqués et des rebords plus complexes.
Là, comme j'ai ça, je pourrais mettre un faîtage pour fermer. On improvise, hein. Voilà. Ok. Ici, j'ai déjà fait à peu près ma base. Tout en haut là, je vais mettre. Je crois que j'ai utilisé ce haut de tour qui est aussi lié à la grille. Et je suis encore à zéro. C'est casse-pied ça. Donc là, je souhaite qu'il soit plus haut. Là, c'est trop. On va mettre un. Ouais, là, allez, on va rester là. Donc là, c'est centré. Mais je vais devoir le déplacer parce que je souhaite pas qu'il reste exactement là pour l'instant. Je vais le mettre en l'air. Je souhaite utiliser ces morceaux-là. Donc j'ai celui-ci demi-corniche ou corniche. Celui-ci est plus épais. Vous voyez, quand je le pose, ça part de travers, forcément parce que c'est pas plat. Pour que ce soit plat, soit je le pose sur un sol qui est plat, que je sais qu'il est plat. Là, c'est un sol qui est vraiment aligné aux fondations toujours, il n'a pas bougé, donc je l'utilise. Sinon, je peux poser sur un mur plat. Donc là, j'ai des murs arrondis, il faudrait que je pose à l'intérieur. Et ensuite, je prends X, je passe en rotation, je vérifie que mon angle est bien corrigé, et je le mets à plat. Comme mon mur était aligné sur l'angle du monde, l'axe du monde, normalement c'est plat, mais on peut remarquer parfois que ça part un peu de travers. Là, ça m'a l'air correct. J'essaie de l'aligner sur mon entretoit. Là, il est vraiment à travers. Comment je vais faire? Je vais regarder ici les rebords, ce qui déborde. Alors, pas là du coup, parce que j'ai un toit un peu particulier, mais ici, je vais pouvoir le voir. Donc vous voyez là je l'ai en double, hein, la dorure. Le but c'est d'en avoir qu'une. Qu'elle soit bien alignée. Des deux côtés. Là je vois que ça déborde, je place. Donc ça c'est le côté un peu casse-pied de la construction. Où on est dans le détail. Là voilà, ça devrait faire l'affaire. On est dans le détail, on essaie de pas abuser. Hein, on fait comme on peut. Après, on va pas revenir chercher les détails plus tard. Donc ça convient très bien. Là, je vais positionner mon petit toit. Nickel. Ouais, c'est bien. À l'intérieur, c'est bien aussi. Et j'aurais plus qu'à mettre ici des petits ornements, des poutres, pour faire un support à ce toit, bien entendu. Je vais peut-être remonter un peu le toit. Pas très haut là. Je vais d'abord modifier celui-là. Hop. Voilà. Et celui-ci, je fais X au lieu de modifier classiquement. Voilà. Ça, on voit quelque chose. Ok, donc ce que je vais utiliser maintenant, ça va être mes poutres rouges. Donc ces poutres rouges, on va les trouver dans sans filtre, hein, je vais enlever. Parce que comme j'ai mis le filtre ASI, j'ai pas besoin de changer de catégorie là, j'ai beaucoup moins d'objets. Mes poutres rouges, donc on voit qu'on en a des carrés, 4 mètres, et fin, donc c'est pas carré, rectangle, les angles, les coins, 2 mètres et 4 mètres. Donc je vais prendre carré 4 mètres. Coucou, c'est Juke du futur. Donc là j'ai accéléré parce que j'ai fait une bêtise quand j'ai créé les différents éléments et du coup je reviens à remplacer en fait tout ça. Donc voilà, je vous passe les détails, on passe à la suite tout de suite. C'est peut-être parce que j'avais posé sur le mur pour faire droit, j'aurais dû poser au sol ici. Parce que si je duplique sans positionnement, qu'ensuite je tourne là. On va voir. Ah, l'herbe longue. Ok, troisième.
enlever l'herbe longue. C'est mieux. Donc ces trois là, ils sont... ouais, ils sont dans le groupe. Je vais défaire le groupe. Double-clic sur un objet. Séparer du groupe, l'icône en haut. Et là, je vais créer un groupe. Voilà, comme ça j'ai un groupe séparé. Donc si je prends mes trois éléments, je les monte. Pas besoin que ce soit au même niveau. On va prendre celui-là, on va le dupliquer, tourner. On l'aligne au bord, l'intérieur de notre poutre. Ouais, c'est bien aligné là. Et là, pareil. Si je fais pareil à peu près ici, comme c'est au centre, c'est pas gênant. Ok, et là au bout. Donc autre méthode, hein. On teste pour voir l'alignement. C'est bon, donc là on est ok, je vais mettre mes équerres. Ça. Équerre. Ouais, on est bien. Je vais prendre celle de l'autre bout. Hop, on va la tourner sur elle-même. Donc quand je mets bien ma molette sur l'objet, ma caméra est bien centrée. Ouais, c'est bon, on a un espace. Dès que je suis trop proche, ça frétille. Je vais remonter celui-là, le tourner sur lui-même. Et je vois qu'il n'est pas du tout au milieu. Là, voilà, c'est mieux. En haut, on touche le milieu, ouais. Donc, il y a juste les bords, là. Voilà, comme ça, en transparence. On peut encore un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Donc celui-là c'est bon, je vais juste le cliquer pour mettre celui-ci, grâce à X. On va le retourner. Un coup c'est dans un sens, un coup c'est dans l'autre. On va essayer de se centrer là-dessus. Ça déborde pas des deux côtés, c'est bon. Je valide. Et là je prends celui-ci, celui-ci. Je vais dupliquer. Là, on est comment? Milieu des deux poutres ici, donc c'est bon. Et on recommence pour le dernier. Et là, attention de ne pas déborder. Ok, ça c'est bon. Donc je vais supprimer celui-là là. Et je vais déplacer celui-là à l'intérieur. Comme quoi, hein, faut pas chercher des fois à construire sur la structure en cours. Mais autant le faire à côté et ensuite l'apporter pour compléter notre bâtiment. Tant pis, j'aurai deux groupes différents, ça me gêne pas plus que ça pour l'instant. On peut les fusionner au pire après. Hein. Là, bah, comme ça déborde au-dessus du toit, je vais regarder au pif un petit peu comment ça se centre. Je vais le mettre autour du pied là de mur. On va se mettre derrière. Voilà, là, ça dépasse de ça. Et là, oh bah, c'est déjà pas mal de tête, comme ça. Ok, un petit peu plus vers là. Ouais, ok, on va rester là. On en reste là, je l'avance, je descends pour être sous le toit.
Ok. Donc ce groupe, je vais le dupliquer, le rotationner et le mettre là-dessus. Ok, on s'approche, on prend le temps et je pense qu'il faudra le mettre devant, comme ceci. Parce que là, mon mur, il voudrait que j'aille ici. Mon but, c'est d'être au milieu sur le mur. Là. Donc on va refaire pareil. C'est bon, c'est bon. Et après, ici, je pourrais mettre un objet. Encore. Ok. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser une poutre plus petite, carrée quand même, que je vais tourner 45 degrés. Ça m'a l'air trop petit. Je le mets là et que je déplace le groupe. Est-ce que ça va tout déplacer? On va le voir. Ah, je vais l'ajouter au groupe d'à côté. Ok. Donc ça, je duplique. Rotation. On avance et on va venir poser ça au bord. Là. Petite astuce pour positionner. Révélation avec le dernier. Est-ce que ça va être utile? On est bon? Ouais. Là, même chose. Oh non! Non, 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 non! Attention! Alors, est-ce que je l'ai dupliqué déjà? Non. Donc, je duplique à nouveau. J'ai utilisé la mauvaise flèche, je préfère revenir à zéro plutôt que de faire une bêtise. J'ai l'impression que ma rotation n'est plus correcte à cause du petit bout que j'ai rajouté. Ah, j'aime bien expérimenter pour comprendre aussi comment fonctionne. Vous voyez, là j'ai un objet qui n'est plus dans le même axe que tous les autres. Tous les autres n'ont pas eu de rotation indépendante. Ils sont tous sur le même axe normalement. Celui-ci, par contre, ne l'est pas. Est-ce que ça modifie l'axe de mon truc là? Quand c'est le cas, je devrais voir une différence entre l'axe du monde qui se trouve ici et l'axe... On voit que la flèche... qui est rouge là. Bon, elle est à travers, en dessous, derrière le vert. On la voit là en plus sombre, en plus clair comme ça. Quand j'appuie là, le bleu n'est pas au même endroit. Donc ça veut dire que l'axe a été changé. Entre l'axe de départ, quand j'avais pas ça, et l'axe où maintenant j'ai cet objet. Ma flèche, mon axe là n'est plus au même endroit. Donc ça va me poser un problème ici. Mais... comme c'est vraiment une modif mini, hein, on voit pas trop la différence, je pense que ça me posera pas trop de soucis. Je vais prendre celui-ci, je vais juste le dupliquer à sa place tel qu'il est là, mais je vais mettre l'axe du monde pour le déplacer, ce qui veut dire qu'il va rester à la même hauteur au sol. Et je vais lui donner maintenant la rotation de 45 degrés, et on va voir si on a toujours le même espace entre nos deux poteaux. Presque. La différence est vraiment minime. Donc c'est plutôt positif. Plutôt positif, c'est bien. Donc ça, à la limite, je pourrais le mettre en l'air, hein, au lieu de le mettre au sol. C'était pour voir. Je suis pas obligé de le mettre tout en haut, ou bien je peux le dupliquer pour en avoir plusieurs. Comme ça. C'est pas mal. Ouais.
Ici, pareil, du coup. Je le déplace à peu près. J'avais mis au milieu de ça, là. Et je duplique pour en mettre en haut. Un foire les yeux de la foire, hein, là. Il fait. Ça touche pas le plafond. Donc faut bien visualiser. J'avais dit là à peu près. Et je duplique pour ajouter ici. Cool, des petits macaques vont arriver. Voilà. On est bon, on est bon. Et maintenant, on recommence là-haut. Donc là, je pareil, prendre. Je prends 2 mètres ou plus. On pourra descendre le toit. Je vais mettre au sol. Hop, rotation. On le met à droite. On va le monter. Et là, je vais regarder si je prends. Ah oui, là j'ai pris fin. Je voudrais un comme ça. 4 mètres. Ok. Comme ça déborde, je vois où je vais. Donc. Le principe va être d'aller ici, dans l'angle du toit. Si je tourne ma caméra en dessous, je vois que je suis à peu près dans l'angle du toit. Je vais dézoomer légèrement. Je regarde comment c'est en dessous. Ouais, on est bon. Donc on va rester là-dessus. Je vais rajouter un autre ici. Et là, je vais prendre ces deux-là, je vais les dupliquer pour les aller de l'autre côté. Ok. Tout ça, on va le descendre pour que ça ne déborde plus du toit. Ouh, le toit, le toit. Ok. Alors là. Donc je les ai déplacés. Je vais ramener ceux-là un peu plus proche pour qu'ils débordent légèrement comme les autres. Ouais, c'est bon. Rester comme ça. Et là, je vais les dupliquer à nouveau vers le bas pour avoir des colonnes qui vont descendre du toit et aller jusqu'au sol. On va regarder en bas. Touche pas le sol à mon avis, ouais, faut encore dupliquer. On peut faire déborder dans le sol, c'est pas gênant. Si jamais il y a un relief ou quoi, bon, ça s'adaptera. Donc c'est bon. Pour ça, est-ce que je souhaite avoir un rebord ici? Ça c'est toute la question. C'est chacun ses goûts. On va le faire. Donc de même qu'en bas. Je vais venir mettre un cadre en l'air à mon toit. Je vois pas grand-chose. Comme ça, voilà. C'est toute une histoire de gestion de sa caméra. Je vais venir le poser là. On va tourner la caméra. Déplacer un peu. Le menu est grand. Voilà, là je vois les deux côtés. Donc mon dupliqué, je le déplace sur mes autres poutres. C'est bon. Et là je vais prendre les deux, je vais les dupliquer et faire la rotation. Ok. Voilà. Ok. Là, on fait pareil, mais cette fois on prend les quatre.
j'ai 4, oui. Et dupliquer vers le bas. Je fais juste ce cadre. Bon, 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 tout va bien. Ce que j'aimerais mettre ici, ce sont les petites équerres. Là. Treillis d'angle. Donc je positionne sur mon poteau. Calme-toi, caméra. Ok, ok. J'essaie de positionner la caméra pour voir quelque chose. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Yes, ça y est, je vois. Ouais, je vois, mais mes angles sont un peu tordus. Donc là, je suis pas au centre, je vais mettre là. Ici, je vois que ça touche pas, je remonte un petit peu. Ça touche, ça touche. Wow! Bon, bah la caméra m'a dit, va voir ailleurs si j'y suis. Ah bah là, je suis bien. On va rester comme ça, hein, on touche plus à rien. Forcément, je vais être obligé de modifier ma position pour tourner. Ok. Là, dans l'angle. Est-ce que tu es bien? Oui. Donc je vais prendre ces deux-là, dupliquer pour aller en face, au centre. Ensuite je prends les deux autres et on va faire encore dupliquer et tourner. Yes. Voilà. Donc l'idée est toujours de dupliquer, dupliquer, dupliquer. Fermer ça. Le but est d'avoir des structures qui sont symétriques quand on souhaite dupliquer. Après, si on veut casser la symétrie, il vaut mieux le faire après avoir mis les détails, quitte à enlever une partie qu'on a construite. Par exemple, si je souhaite plus avoir cette partie dans le carré du bâtiment carré, je vais supprimer ça ou le déplacer. Je peux mettre une partie de bâtiment qui sera plus basse ou plus haute. On peut varier les plaisirs comme ça. Après, comme c'est maison typiquement japonaise, elles sont plutôt carrées ou rectangles. Donc ça choque pas. Là, je laisse ouvert. À l'intérieur, vous avez vu, on a nos poteaux qui descendent. Dans la vidéo précédente, j'ai mis des paliers d'escalade. On voit que l'escalade, c'est un sacré sport. Ils font tout à l'envers, ils font du moonwalk. Mais on peut s'amuser aussi avec les barrières d'escalade. Pour ce qui est de la cloche, je vais pas la mettre cette fois. Vous voyez, j'ai même pas utilisé mes poteaux. C'est pas très grave. Le but était de voir un petit peu comment faire des espaces qui se dupliquent pour gagner du temps. Vous préparez un morceau détaillé, vous le dupliquez, vous refaites un groupe avec tout ça, vous redupliquez, et ça vous permet d'obtenir des structures détaillées qui n'ont pas pris trop de temps à positionner quand on arrive à bien centrer ces éléments et que nos rotations fonctionnent correctement. Là, je vais juste vous montrer un petit bâtiment tout simple qui sert à cacher un transformateur, hein, il me semble. Ouais, donc c'est pour l'électricité. Petit bâtiment tout simple avec cette corniche là, demi-corniche cette fois, et un toit. Simple. Là j'ai mis un triangle en bois, j'ai mis des murs arrondis avec et un mur avec porte, et puis c'est fini. On a un petit bâtiment pour cacher un transformateur. Et du coup le mécanicien il vient réparer par ici. Donc c'est bon. Si c'était un panneau solaire ou une éolienne, bien entendu, faut pas les couvrir, hein, sinon ils marchent plus correctement.
D'ailleurs, si on a un panneau solaire derrière une falaise et que le soleil se couche, le panneau solaire s'arrête de fonctionner, il n'y a plus de soleil dessus. Pour ce qui est des panneaux d'éducation, je l'ai mis sur le workshop, je vous ai mis le lien dans la vidéo précédente. On utilise un petit peu les mêmes éléments. On a par contre un élément super pratique, c'est le toit là, un petit auvent qui est ici. Dans le panneau de construction, on a deux types de auvents. Et celui-là, je trouvais sympa d'avoir un petit toit autour de l'écran. Là, ce sont des poteaux en bois rouge, là. Tout simple. Et pour faire le fond, ici, si j'arrive à le cliquer, non. Là, voilà. Pour faire le fond, j'ai utilisé des petites fenêtres. Désolé encore. Voilà, des petites fenêtres. Il y en a trois. Vous voyez qu'elles se rentrent dedans? Mais c'est pas bien grave, hein. Ça fait juste un rebord plus épais. Là, ça saute un petit peu la texture quand elle se superpose. Ce qu'on peut faire, c'est modifier très légèrement la position d'une des deux fenêtres qui se rentrent dedans. Comme ceci. Hop. Et si on a quelque chose de l'autre côté qui cache, on le voit pas. Donc c'est pas un souci. Hop, voilà. Là, ça devrait plus trop sauter. Juste là, un petit peu. Faudrait descendre. Donc voilà, c'est juste des textures qui se chevauchent. C'est rien de grave. Et là, nos poteaux, j'en ai mis un de plus parce que c'est pas assez large pour le auvent. Pour ce qui est du pont. Je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. J'ai utilisé des barrières toutes faites, pareil du thème Asie. Mes poteaux, ah, je suis sortie. Mes poteaux, les petits lampions avec déjà le petit treillis. J'ai mis des grands, hein, lampadaires à l'intérieur de mes poteaux en bois et j'ai fait le tour de mon allée surélevée en pont. Avec des poteaux en bois pour habiller le rebord un peu béton. Que l'on va voir ici sur l'autre pont, voilà ça. Donc ça forcément c'était pas jojo. Donc une fois habillé en rouge c'est pas mal. J'ai essayé de faire un micro arrondi ici. L'idéal serait de faire un arrondi plus épais pour faire beaucoup plus asiatique les ponts dans les jardins japonais sont un peu arrondis. Voilà, c'est pas fou, hein, mais ça permet d'habiller. Ici, une petite mise en scène, hein, avec des petites sculptures. Les lumières, j'ai mis pas mal de lumières. Donc là, j'ai mis des lampadaires. Ici, il y en a aussi sur la clôture. Cette clôture, elle est toute simple. C'est le même élément qui est dans le pont. Voilà. C'est le même élément qui est dans le pont, mais en fait, quand je fais quitter le groupe, on voit que ce groupe contient une lampe, un poteau marron ici, un autre poteau marron là, et la barrière. Et cet élément, je l'ai dupliqué. Bon, en l'occurrence, les lampes, je les ai rajoutées par la suite. Donc, dans chaque groupe, il y a une lampe qui a été rajoutée. Mais pour pouvoir rajouter des clôtures un petit peu personnalisées, on peut juste rajouter un ou deux éléments à cette clôture. Voilà, là par exemple, c'est vraiment la même clôture, hein. On a un bout de bois marron en bas, un bout de bois ici entre deux clôtures, et cette petite clôture déjà toute faite. Si vous souhaitez faire des clôtures vous-même, bah, c'est pareil, hein, faut mettre des petites barrières. Voilà, il y a plein de possibilités. Le principe étant de dupliquer à chaque fois cette clôture et lui donner une petite rotation pour que ça suive le rebord du chemin. Là, on voit que ça, il y a un petit jour ici, il y a un petit espace. Mais bon, est-ce que les clôtures sont toujours parfaites en réel? Non, bien sûr que non. Donc là, comme on a une rotation sur le côté, parce que ce chemin est un peu incurvé, et comme ceci, c'est pareil, ça fait une petite voûte. Nos clôtures qui sont bien droites ne sont pas parfaites, c'est certain. Ici, ce ne sont que des rondins rouges, 149 de ce côté. Ouais, c'était un peu drôle à faire.
Ce toit, c'est un élément tout fait de toit, un peu comme le auvent tout à l'heure, et avec des colonnes et des lampions de chaque côté. Et par ici, j'ai mis dans la rivière, donc pareil, mes poteaux rouges, que j'aurais pu faire avec une clôture au final, mais j'ai pas de clôture rouge. Donc voilà, je voulais que ce soit un rondin rouge. J'ai mis une petite barque avec un lampion. Ici, un petit lampion. Mais surtout, ici, on a un éclairage de nuit pour mettre en avant le pont. Voilà, de chaque côté. C'est un gros projecteur. Nouveau Monde Spot, il s'appelle. J'en ai mis un autre de l'autre côté qui éclaire là. Et ce gros spot, mais je l'ai mis ici aussi, là, pour éclairer le petit pont qui est ici à l'intérieur. Donc ça c'est bien, c'est pareil, ce sont des lampadaires où il n'y a pas de lampe dessus, donc j'ai mis un lampion. C'est lampadaire Inde. Donc c'est pas pareil, mais je voulais aller vite avec un objet décoratif et ça c'est plutôt pas mal. Ici, cette lampe, elle a une petite flamme. Par contre, les gros lampadaires des sculptures de lanternes japonaises, il n'y a pas de lampe à l'intérieur. Donc, pour avoir une petite lueur, j'ai mis un poteau que je ne pourrais pas sélectionner, je pense. Je vais vous le sortir. Lumière au sol. On va enlever l'Asie. C'est ça. Non, c'est un. Ah, ça doit être ça. Là, c'est ça. J'ai mis ça à l'intérieur. C'est pas génial. J'aimerais bien que je rajoute des effets spéciaux de feu. Ce qui permettrait de faire ce type d'éclairage. Pour l'Afrique. Pour plein de choses comme ça, on pourrait avoir des thèmes aventure. Ce serait vraiment sympa. Au pire, ce que j'aurais pu faire, c'est prendre cette petite lampe et la mettre à l'intérieur de la grande, mais pff, tout ça pour avoir des petites flammes, c'est un peu dommage. Donc j'ai juste mis cette lueur, ce qui permet de ne pas du tout éclairer autour, ou très peu, mais de voir une petite lumière qui sort de la lanterne. Et du coup, la dernière chose construite qui n'est pas en accéléré dans la vidéo et que vous avez pu voir en détail, ce sont les cabanes très simples pour les singes qui grimpent aux arbres. Ah bah là, il y en a un dedans. Je vais remettre la lumière du jour. Voilà. Donc j'ai mis des couchages à l'intérieur. Et je vais rajouter du lierre et une petite lampe ici pour voir la nuit. Donc là, le lierre, bon là il y a le tronc qui déborde. J'ai posé le lierre sur cette paroi. Il y a. Ah, il y en a un là-haut. Il y a du lierre aussi qui passe de l'autre côté. J'ai mis un autre qui fait un angle. Et j'ai mis du lierre à l'intérieur ici, comme si ça débordait entre les rondins et sur le tronc. Même principe ici, mais en plus simple. Ouh, caméra, caméra. Même principe en plus simple par ici. Il y a du lierre qui descend du feuillage et qui déborde pas vraiment là, hein. Et un petit peu ici, rien de particulier. Donc les cabanes dans les arbres, je trouve ça pratique. Ça, on peut l'utiliser avec quasiment toutes les espèces de singes. Ça a un côté un peu moderne et en même temps rustique parce que c'est très simplifié. Mais ils adorent, ils n'arrêtent pas d'y aller. En plus, on a leurs optimisations alimentaires à côté. Donc je pense que ça les attire un petit peu. Le fait que ce soit dans des arbres proches de la rivière ici, on peut peut-être les apercevoir depuis le pont, même si le but n'est pas de les voir en détail depuis le pont, parce que la rivière est quand même balèze. Mais voilà, ça donne un aperçu, c'est pas mal. Ils sont mignons. Wouhou! Ah, cette caméra me rend folle. Et voilà! Nos macaques sont ravis de leur enclos. Oh, ils baillent. Alors moi, tout comme lui, je fatigue, donc je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Et à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser.